Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment effacer des personnes sur une vidéo avec Adobe Premiere Pro et Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir à temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour effacer des personnes sur une vidéo avec Adobe Premiere Pro et Photoshop CC, il faut passer par trois étapes. Première étape, capturer l'image au début et à la fin de la vidéo. Deuxième étape, modifier l'image du début à partir de l'image de la fin avec Photoshop. Troisième étape, appliquer les masques d'opacité sur l'image modifiée. La vidéo utilisée dans ce tutoriel est en 23,976 frames par seconde. On va la transformer en 30 frames par seconde. J'utilise cette configuration pour tous mes vidéos. De votre part, vous pouvez utiliser 24 ou 25 frames par seconde ou même la laisser telle qu'elle est. Alors, avec bouton droit de la souris, on choisit « Modifier » dans le menu contextuel, puis « Métrage ». Arrivé à cette fenêtre, vous cliquez sur « Conformer à » et vous saisissez la valeur 30. I/S veut dire « Image par seconde » ou en anglais « Frame par seconde », puis tapez « Entrée ». Une fois c'est fait, on importe la vidéo dans la timeline. Visualisons la vidéo. Pour accélérer le déroulement de la vidéo, on appuie sur la lettre L une fois, deux fois. C'est une vidéo de deux hommes qui marchent dans un couloir. Nous voulons supprimer les deux hommes de la vidéo ou bien l'un des deux. Pour ce faire, on doit avoir une image où les deux hommes ne figurent pas. Très bien. On va faire deux captures d'image. Au début et à la fin de la vidéo. On remarque que les deux hommes changent de position. Cela va nous permettre de créer notre fameuse image où les deux hommes ne figurent pas. On se positionne au début de la vidéo et on clique sur le bouton « Capture d'image ». Il faut vous assurer seulement que la case « Importer » dans le projet est bien cochée. Puis, on se place à la fin de la vidéo et on capture une deuxième image. Avec clic droit sur la première image capturée, on choisit dans le menu contextuel « Modifier dans Adobe Photoshop ». On refait la même manip pour la deuxième image capturée. Arrivé à cet écran, nous allons réorganiser l'affichage des deux images verticalement. Pour ce faire, cliquez sur le menu « Fenêtre »« Réorganiser » « Deux vignettes verticales ». On augmente le zoom à 400% pour les deux images. On déroule les deux fenêtres à l'horizontale et à la verticale de telle sorte que le banc vert devient apparent dans les deux images. Maintenant, on va supprimer les deux hommes de la première image capturée. Pour ce faire, on va utiliser l'outil tampon de duplication. On va sélectionner un repère dans la deuxième image, puis chercher le même repère dans la première image, et cela pour que ça soit le point de départ de notre duplication. Cela va nous permettre d'effacer les deux hommes. Avec l'outil tampon de duplication, on appuie sur la touche Alt, et on sélectionne un repère du banc.
On va prendre le coin haut gauche du banc. On relâche la touche Alt. On se positionne sur la première image et on recherche le même repère. Une fois trouvé, on clique avec le bouton gauche sans relâcher. On commence à effacer le premier homme. On augmente l'épaisseur du sélecteur. Et on ajuste le zoom à 200%, puis on continue jusqu'à ce que le premier homme soit totalement effacé. Une fois terminé, on passe au deuxième homme. Pour voir le résultat, on modifie le zoom à 100% pour les deux images. Pour revenir à la configuration initiale, une seule image affichée, on clique sur le menu Fenêtre, Réorganiser, tout regroupé dans des onglets. On utilise l'outil Loop, puis on clique sur le bouton Adapter à l'écran. De même pour la deuxième image. Et on compare les deux images. Très bien. On enregistre la première image et on ferme Photoshop. Une fois de retour à Adobe Premiere Pro CC, on importe notre première image capturée sur la timeline. On augmente la durée de l'image de telle sorte qu'elle soit de même taille que la durée de la vidéo. Maintenant, il nous reste qu'appliquer des masques d'opacité sur l'image pour masquer les deux hommes. Pour ce faire, sélectionnez l'image dans la timeline, puis cliquez sur le panneau Options d'effet. Dans la fonction Opacité, on clique sur le masque rectangulaire. On agrandit la fenêtre de rendu, puis on adapte le masque rectangulaire de telle sorte qu'il couvre le premier homme tout au long de la vidéo. On déplace les points du masque et on vous visualise la vidéo. S'il faut, on ajoute d'autres points pour bien masquer le premier homme. Si ce n'est pas bien clair, vous augmentez le zoom. Ou bien désactiver et réactiver la sortie de piste de l'image. Si le masque disparaît de la vidéo, vous cliquez sur Masque dans la fonction Opacité du panneau Options d'effet. On déplace les pointes du masque pour bien masquer le premier homme. On revient en mode adapté. Voyons le résultat. Très bien. Maintenant, on va masquer l'homme de gauche. Pour ce faire, dans le panneau Options d'effet, à la fonction Opacité, on clique sur le masque rectangulaire. On adapte le masque de telle sorte qu'il couvre le deuxième homme tout au long de la vidéo. On agrandit la fenêtre de rendu pour bien déplacer les points du masque. On visualise la vidéo. S'il faut, on ajoute des points pour bien masquer le deuxième homme. Dans ce qui va suivre, nous allons créer trois versions de notre vidéo. La première version, on aura l'homme de droite qui apparaît seul. De même pour la deuxième version, on aura l'homme de gauche qui apparaîtra seul dans la vidéo. Et la troisième version, les deux hommes sont masqués.
Pour cela, on fait 3 copies. Une fois terminé, on commence notre modification. Alors, pour avoir la vidéo source, on supprime l'image au-dessous de la vidéo source. Pour la première copie, on efface le premier masque de l'image. Pour ce faire, on sélectionne l'image, puis dans le panneau Options d'effet, à la fonction Opacité, on supprime le premier masque, ce qui aura pour effet l'apparition du premier homme tout au long de la vidéo. De même, dans la deuxième copie, on efface le deuxième masque, ce qui aura pour effet l'apparition du deuxième homme tout au long de la vidéo. Pour la troisième copie, on laisse les masques tels qu'ils sont, ce qui aura pour effet la disparition des deux hommes. Je vous laisse avec l'aperçu des 4 séquences. Des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.